Monsieur Payon, s'il vous plaît. Monsieur Payon. Bonjour. Voilà, madame. Cette réforme, elle est une bonne réforme, incontestée. Pour le plan scolaire, c'est d'abord ce qui m'importe. Mieux apprendre à lire, écrire, compter les 3 heures du mercredi matin. Pour le périscolaire, puisqu'on va offrir à plus d'enfants, plus d'activités auxquelles ils n'avaient pas droit. Voilà, donc c'est essentiel. Maintenant, évidemment, le pays doit faire des efforts recrutement des animateurs, des efforts sur l'encadrement, des efforts sur les locaux. Ben, faisons-les ensemble. C'est l'intérêt des enfants. Il faudra du temps pour que ça rentre, évidemment, parce que c'est un grand changement cette journée, hein, que ça rentre dans les faits le mieux possible. Donc il faut s'améliorer, mais surtout pas renoncer. C'est un peu comme pour les élèves. Il faut faire mieux, mais il ne faut surtout pas se décourager. Et moi, je me déplace et je vois beaucoup de gens qui sont au contraire très contents et qui me disent « Nous pouvons, grâce à ça, donner à des enfants qui n'avaient aucune offre éducative périscolaire, et bien précisément cet accès à la culture, etc. » Donc, il n'y a pas que des mécontents. Merci.